Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Rewind. Ce 13e épisode va nous emmener dans l'excursion dans la jungle avec Pitfall Harry, l'expédition perdue sur GameCube. Édité par Activision et développé par Edge of Reality, c'est en février 2004 qu'il trouve son chemin jusqu'à nos consoles. Cette licence qui commença sur Atari 2600 en 1982 a eu plusieurs suites avant de finir sa lignée sur Wii. Laissez ce pionnier du jeu vidéo qui a quitté la 2D pour la 3D vous guider à travers la jungle. C'était avant de tomber sur... Bittenbinder. Docteur Bernard Bittenbinder, pour être précis. Je viens vous saluer, vu que vous êtes le seul passager de cet avion à ne pas faire partie de mon groupe de... C'est vous qui avez découvert un crâne Toltec en cristal qui ralentit la lumière le traversant. Ces recherches n'ont pas été publiées. Qui êtes-vous? Harry. Les gens m'appellent... Pitfall. Et je dois faire partie de ces gens? À quoi vous jouez? Au jeu de la séduction. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Le charme commence à agir, hein? Et voilà, malgré une énorme chute, un peu comme Crash Bandicoot, ça commence pareil, décidément. Et ben, le héros a survécu et on va commencer à parcourir la jungle une fois qu'il aura fini de se lever. Allez hop. Donc le petit côté cartoon bien sympa. L'ambiance sonore super bien bossée aussi. On a bien l'impression d'être dans une jungle. Oh, ce côté-là, rien à dire. Hop, les premières lianes. Hop, voilà. Exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est pas grave. Alors, le saut, on saute. Voilà. Bon, les petits items là. Donc, je vais être obligé d'utiliser le joystick de la jaune de la manette GameCube pour aller en direction. Il faut que je me rapproche un petit peu, mais c'est comme ça qu'on chope les objets. C'est aussi comme ça qu'on peut utiliser les objets. Par exemple, bon là je l'ai pas encore, mais j'aurai tout à l'heure, la gourde qui sert à reprendre de la vie, car comme dans Prince of Persia, on reprend de la vie en buvant de l'eau. Ah. Et en fait, je vais devoir simuler avec la manette le mouvement, enfin la manette, le joystick, le mouvement de boire, c'est-à-dire vraiment de prendre la gourde vers le bas et de la monter vers le haut pour boire tout simplement. Et quand je serai voilà, donc dans les bassins comme ça et que j'aurai ma gourde, j'aurai juste à baisser le joystick pour la remplir. Voilà, on continue un petit peu. Donc plusieurs éléments ont été gardés des anciens épisodes, des anciens Pitfall. Donc les sauts de liane en liane comme vous avez pu voir au début. Les statues là. Les statues checkpoint sont là depuis le début. Hop, ah, je fais attention de ne pas crever à cause des piranhas. Voilà. Les jaguars. Et voilà. Donc là, c'est un peu même principe que Crash Bandicoot. Je vais être assez concentré dans ce que je fais parce que la moindre petite erreur va se traduire par une mort. Enfin une mort. Meurs pas tout de suite, hein. Je perds des points de vie, la petite barre qu'on a en haut à gauche. Heureusement, donc là voilà, je vais rencontrer un chaman qu'on va réveiller en tapant dessus. Voilà. Et donc les deux petites idoles que j'ai récupérées, je vais pouvoir les
les échanger contre des pouvoirs. Donc par exemple, là, je vais avoir un bonus de santé. Je peux avoir une gourde plus grande, mais vu que j'ai pas de gourde, je peux pas le prendre encore. Et après, j'ai pas assez de points pour le reste. Donc on va prendre bonus de santé, acheter. Et voilà, 2 points de vie supplémentaires. Alors, on va repartir par là. Hop. Alors, les sauts à la liane, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Parce que la caméra, elle bouge pas mal. Ce qui fait que le saut sera pas forcément très, très précis. Et c'est pas rare. Oh, c'est bon de tomber à côté quand on saute. Je retire la respiration, j'étais à 2. J'étais sûr que j'allais tomber. Hop. Comme là. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Mais il faut pas aller trop vite. On va prendre un peu de vie. Ah, donc là pour le moment juste à plonger dedans. Hop, ouh, c'est limite encore cette histoire. Hop, on ressaute sur les crocodiles. Voilà. Vu qu'il est tellement balèze, même des colonnes de pierre, il arrive à les défoncer à main nue. Ah, j'aimerais pas avoir Mortro en face. Hein. Petit côté Metroid, Harry peut se mettre en boule, et se déplacer plus rapidement et puis se faufiler là où il y a besoin. Et ça fait très Samus Aran, en plus comique. Hop, là c'est bon, c'est limite. Ah voilà. Essayez de pas tomber, c'est bon. Voilà. Encore un peu de vie ici, mais je suis au max, donc c'est bon. Là, je vais devoir déjà combattre celui-là. Voilà. Donc, il faut que j'actionne les 3 boutons. Ces 3 boutons, voilà, comme vous avez pu voir au fond, activent des plateformes. Et une fois que les 3 boutons sont activés, il faut que je me dépêche. Parce qu'ils remontent. Et qu'il faut que j'arrive en haut. S'il veut bien. Oui, c'est bon. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Oh, non. Bon, tant pis. On va recommencer, hein, c'est pas grave. Alors, j'aime bien me déplacer en boule. Ça va vraiment plus vite. Permet d'accélérer un petit peu. Hop. Il faut bien attendre que le bouton soit bien enclenché. À fond, sinon la plateforme n'apparaît pas. Il veut toujours pas parce que c'est trop. Voilà, c'est bon. Allez. Allez. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Hop. Et là. Oh, fallait prendre l'échelle que je n'ai pas prise. C'est pas grave. Il y a une petite animation sympa. C'est qu'en fait, quand on descend une échelle, par exemple, il va se cogner le menton à chaque barreau. Parce que l'humour, il y a quand même pas mal d'humour dans ce jeu, aussi bien dans les cinématiques que dans l'animation d'Harry. Par exemple, quand je dois marcher doucement, voilà, il fait bien toute l'animation faire doucement. Hop, alors par contre, voilà, ceux-là, je peux pas les tuer tout de suite, donc je vais esquiver. Hop, 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 ouf. Normalement, ça se passe pas comme ça. Hein. Voilà, je suis censé récupérer la liane. J'ai eu du bol. Je ne le cache pas, j'ai eu de la chance. Et on va finir sur le cockpit de l'avion. On pète la vitre et on rentre. Voilà, donc on a enfin retrouvé le mec qui s'amuse à tirer des fusées depuis tout à l'heure et qui fait que ça. Qui va nous dire où aller pour la suite. Petit clin d'œil justement je trouve à Uncharted, le livre où justement on a tout dedans. Je me demande si Naughty Dog s'est pas un peu inspiré de l'idée, parce que justement Drake, dès qu'il retrouve quelque chose, il le note dans son livre, et possibilité de toujours tout vérifier au bon moment. Voilà, donc là j'ai sélectionné ma gourde, que je remplis. Je vais la désélectionner, parce qu'il faut sélectionner chaque objet à chaque fois. Sinon, on ne peut pas les utiliser. Ça qui est peut-être un petit peu pénible parfois, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de raccourci. On est vraiment obligé de jouer avec les flèches de la manette
naviguer, savoir quel ou quel objet on doit prendre. Ah oui, j'ai pas eu le temps, tant pis. Ils prendront plus tard, c'est pas grave. Voilà. Alors, ils vont me balancer les troncs sur la figure. Hop. Alors, il va falloir soit passer au-dessus, soit passer en dessous. Hop. Hop. Ah, trop tard, ouais, trop tard. Tant pis. Éviter de sauter quand le truc est en l'air, ça peut être pas mal aussi. Voilà, j'avais dit que je les aurais. Voilà, donc il a plein de petites actions pas mal. Hein. Ils ont quand même bien fait leur boulot. Ils l'ont bien animé, je trouve. On va passer doucement. Ceux-là, les singes sont en train de dormir, mais le but, ça serait de pas les réveiller. Sinon, c'est une pluie de noix de coco. Alors, je garantis pas que je vais y arriver. Parce que le joystick est assez voilà, capricieux, c'est pas grave. En fait, c'est dur de rester... Enfin, en fait, il faut enclencher le joystick sans trop l'enclencher non plus. Donc ça peut être vite... ça peut... Oula, pas rester là trop longtemps, ça peut être vite pénible. Voilà. Ah... Donc eux, vu qu'ils se protègent avec leur masque, il faut leur faire une balayette. La suite, voilà, on va reprendre de l'eau. Aïe, voilà, pas tout de suite. Non, on va pas mourir, hein. Attention. Donc ce que je vais faire, là, je vais vous montrer. Je prends ma gourde et j'appuie sur le joystick vers le haut pour justement monter la gourde. Ça, c'est pas mal. Et je la remets vers le bas pour la remplir encore une fois. Donc au début ça peut être assez déroutant cette façon d'utiliser les objets. Après c'est une question d'habitude, hein, c'est comme tout, mais c'est vrai que au début on a l'impression d'être un peu pas dire handicapé, mais l'impression de pas savoir utiliser sa manette. Là, je vais me faire attaquer. Voilà. Alors, tout castagner. Voilà, encore deux ici, voilà. Je suis désolé, je suis concentré parce que j'essaie de pas trop perdre de points de vie et de pas tomber dans la grosse fosse qu'on a vue à côté là avec les dents. Ce n'est pas l'abri. Dans le feu de l'action, on sait jamais. Alors pour les nostalgiques, il y a une possibilité de jouer au Pitfall 1 et Pitfall 2. En allant chercher des temples en fait, dans deux temples, il va y avoir un endroit spécial où il y aura des écrans et on pourra jouer au vieux Pitfall. Après, si vous avez la flemme de chercher les temples, il y a toujours possibilité de lancer un cheat code. Parce qu'à l'époque, les cheat codes ça existait encore, pas comme aujourd'hui. Donc ça permettait de faire 2-3 trucs sympas. Hop, alors. Là, la toile d'araignée, donc pas, je pourrais pas y aller parce que j'ai pas de torche. En fait, il y a plein d'endroits où je vais devoir revenir plus tard, une fois que j'aurai récupéré les objets. Par exemple, là, une fois que j'aurai le lance-pierre, je vais pouvoir relancer le moteur pour aller ensuite sur la corniche là-haut. Voilà. Vers le grand arbre. Sauf que là, c'est fermé. Hop. Je vais y aller, je sais plus trop. Là. Hop, si, voilà. Hop, on va aller là-haut. Attention. Ouf, c'est bon. Voilà. Pareil, pour activer le levier, on utilise le joystick. Ce qui fait que j'ai ouvert la porte. Alors, encore un petit moment combat. Ah. Même les masques sont méchants, pour montrer qu'ils sont pas contents. Que c'est pas des amis. Un petit point crash bandicoot, voilà, petite attaque sautée, ça fait très crash, justement un peu la tornade, je trouve. Et je dirais même, pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu penser à Jack and Dexter. Voilà, l'animation de l'attaque sautée me fait beaucoup penser à Jack and Dexter. Qui aura peut-être un épisode un jour, on sait jamais, si j'arrive à le retrouver.
ça devrait se faire, je pense. Je vais pas vous faire de faux espoirs, mais c'est possible que je puisse retomber dessus. Et voilà, donc là je vais devoir remonter. Donc pas n'importe quel eau peut soigner, hein, sinon ce serait trop facile. Là, on peut pas passer parce que j'ai pas de masque à gaz. Voilà. Alors, on va essayer. Déjà, on va casser, on va gastagner ces singes, ça va être tranquille. Parce que ça reste quand même un jeu de plateforme. Jeu de plateforme dit précision. C'est pas en prenant des noix de coco dans la figure qu'on va être précis. Hop, c'était, voilà, là, les champignons qui sont là. Je me suis tapé tout le tour alors que j'aurais pu y aller tout de suite. C'est pas grave. Au moins, comme ça, vous avez vu que c'est un bel arbre. Hop. Petit coup de liane. Voilà. Donc là, voilà, une sorte de, on va dire, checkpoint. Je suis arrivé ici. L'eau, le niveau de l'eau est monté. Ce qui fait que même si, voilà, même si je tombe, j'aurais pas tout à recommencer. Hop, faut juste que, voilà, je retourne sur mon champignon, parce que je suis tombé à l'eau. Et que je reprenne ma liane, voilà. Ouf, putain, j'ai encore cru que j'allais tomber. Hop, et de 1. Et de 2. Hop. Non. Bon, malgré le fait que je galère, parce que je suis pas doué. C'est un jeu de plateforme qui a quand même pas eu trop de mal à passer de la 2D à la 3D. Parce que généralement, les licences qui ont commencé vraiment en 2D, plateforme, donc Pitfall ou même Mario, hein, le passage à la 3D a pu être quand même un peu problématique. Mais là, celui-là, il s'en sort pas trop mal. Hop. Sachant qu'il y a quand même eu un épisode sur PlayStation 1 que je n'ai pas essayé, donc après je ne sais pas si justement la 3D était pas trop mal à ce moment là, s'il n'y a pas eu trop de soucis, mais en tout cas sur cet épisode GameCube il est pas affreux. Voilà. Je dis pas qu'il est, il est précis constamment, il y a toujours des petites erreurs d'appréciation de distance, mais ça. Ça, on peut pas toujours tout mettre sur le dos du jeu non plus. Hop. Voilà. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber. C'est bon. Alors, la suite. La suite, ça va être par là. Hop. De toute façon, je vais pas tarder à finir. Je vais essayer de grimper encore un petit peu. Hop. Voilà, contrairement à ce que j'ai pu vous habituer, j'aurais peut-être pas le temps d'aller jusqu'au premier boss, un petit peu trop loin. Par contre, ouais, oula, on va aller trop vite. Même si le premier boss est un peu éloigné, le jeu se finit en 9-10 heures. Ouais, voilà. Ce qui fait que, bah, il peut être quand même vite torché. Après, vous de voir si vous avez envie de récupérer tous les items et de débloquer tous les bonus qui seront vendus par chaque chaman. C'était donc Pitfall sur GameCube, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, pensez à aimer et partager. Et surtout, jouez bien !